Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne YouTube Mécanique Sportive, c'est Nicolas. Aujourd'hui, je vais vous présenter les nouvelles Cupra Leon. Cupra Leon de base, là, et la version Sports Tourer. La version Sports Tourer, c'est la version break de ce côté-là. On va faire le tour de ces véhicules, on va voir les nouvelles évolutions qu'il y a sur l'avant, à l'intérieur, à l'arrière, comme vous pouvez le voir déjà un petit peu sur l'avant et l'arrière, directement sur ce plan, quelques petits éléments stylistiques ont évolué. On va parler des motorisations, voir un petit peu toutes les options qu'il y a disponibles. Et je vous remontre l'intérieur, l'extérieur et on se refait un petit débrief à la fin. Bon, je ne bouge plus. Tant que tout le monde n'est pas abonné, là juste en dessous, je ne bouge plus. On ne continue pas cette vidéo. Bon, non, je rigole. On va continuer, mais ça me ferait énormément plaisir si vous pouviez cliquer sur s'abonner. Ça me permet de vous faire plus de contenu exclusif comme ça de ces nouveaux véhicules en studio et de vous faire des premières mondiales. Au niveau des motorisations, on commencera avec le 1.5 TSI Evo 2 avec une micro-hybridation. Alors, il sera disponible dans d'autres pays sans micro-hybridation. Ça, c'est un moteur que l'on connaît bien hein, au sein de ce groupe que j'essaye pas mal en ce moment également, qui sera disponible sur le nouveau Formentor pour ceux qui ont vu la vidéo ou qui vont la voir. Vous allez voir, on parlera aussi des motorisations disponibles là-bas. Première version, donc ce 1.5 TSI, 150 chevaux avec la micro-hybridation 48 volts que l'on a déjà pas mal essayé. Ensuite, il y aura une version 2 litres TSI qui fera 300 chevaux. Ensuite, on aura une version un petit peu plus puissante qui sera, elle, à 333 chevaux. Donc là, la différence, c'est qu'on passera cette fois-ci sur du 4 roues motrices, toujours avec le 2 litres TSI. Il y a également un TDI disponible, qui reste toujours un avantage, le 2 litres TDI 150 chevaux, et ensuite deux versions hybrides rechargeables. Les hybrides rechargeables évolueront, donc là, ici, on a des versions hybrides rechargeables, avec cette fois-ci l'évolution du moteur. Avant, il y avait le 1 litre 4, hybride, cette fois-ci on passe au 1.5 litre, pareil le TSI Evo 2, qui a été revu au niveau de la segmentation, au niveau de l'huile, pas mal d'améliorations sur les chemises également. C'est un moteur qui est fait pour prendre des régimes plus rapidement lorsqu'il part à zéro ou qu'il est coupé, lorsqu'il est froid, pour justement pouvoir durer dans le temps un petit peu plus que l'ancienne version également. Cette fois-ci, il sera disponible en 204 chevaux ou en 272 chevaux. La version 300 chevaux traction, la version 333 4 roues motrices, c'est un petit peu ce que l'on connaît sur la Golf 8R et d'ailleurs qui était sortie, elle, en édition limitée, la version 333, qui malheureusement je n'ai pas pu essayer, mais d'ailleurs qui n'est pas vendue en France, seulement en Allemagne ou dans d'autres pays là-bas où ils n'ont pas de malus. Au niveau du gabarit, les voitures n'évoluent pas tant que ça. Pour la version ici Sport Tourer, elle fera 4,66 m de long, 4,40 m pour la version traditionnelle. Au niveau des empattements, au niveau de la largeur et de la hauteur, là, pas d'évolution comparée aux anciennes. Au niveau du coffre, 380 litres de ce côté-là, 620 litres de ce côté-là. Je vous remontre les coffres ensuite, bien entendu. Au niveau des couleurs, on aura 9 couleurs différentes. Et d'ailleurs, la couleur que vous voyez de ce côté-là est un nouveau gris mat. D'ailleurs, comment il s'appelle? Je l'ai oublié. Il s'appelle le gris Encelade mat. Ça, c'est l'ancien gris qui est un petit peu plus foncé. Celui-ci a des touches un petit peu vert qui est plutôt sympa. Le bleu mat, lui, malheureusement, disparaît. Mais par contre, il y aura une nouvelle couleur bleu Fjord qui apparaîtra sur ces voitures qui sera disponible de série. Au niveau des jantes, on aura le choix de 9 types de jantes disponibles, 18-19 pouces. Pendant qu'on parle de jantes, de freins, etc., sur les versions Sport Tourer, les versions 333 chevaux, on pourra bénéficier de freins Akebono en 6 pistons. Sur les autres versions hybrides rechargeables les plus puissantes, on pourra bénéficier de freins Brembo, quand même 4 pistons avec des disques de 370 mm. Sur les 6 pistons, on sera sur des disques de 375 mm. Et pendant qu'on parle encore de système de freinage, de roulement, les versions les plus puissantes auront même un mode drift pour pouvoir s'amuser, qui donnera un petit peu plus de puissance sur les roues arrière pour justement pouvoir emmener sa voiture en glisse. Ça, on le connaît, c'est avec le Torque Vectoring qui fonctionne sur les voitures du groupe. L'évolution, que ce soit celle-ci ou le nouveau Formentor, on va voir apparaître les nouveaux packs de batteries qui font 19,7 kWh. Ce qui est plus intéressant, c'est que ça propose cette fois-ci une autonomie dépassant les 100 km. On n'a pas encore les normes d'homologation WLTP, ça devrait pas tarder à arriver. Plus de 100 km normalement garantie de ce qu'ils nous ont dit. J'ai hâte de tester ça puisque j'aime bien tester à chaque fois les autonomies des voitures. Le gros avantage, c'est que cette fois-ci, on peut recharger jusqu'à 50 kW ou du 11 avec le chargeur embarqué directement. Ça permet souvent de faire un 10 à 80% en environ 25 minutes, ce qui reste quand même un avantage. Et surtout, on a des batteries beaucoup, beaucoup plus grosses cette fois-ci.
Bon, je vais vous emmener maintenant découvrir les voitures. On va le faire sur celle-ci parce qu'il n'y a pas forcément de grosses différences entre les deux. Je vous remontre quand même l'arrière de la Sportower ensuite. Alors, sur l'avant, on peut noter le nouveau style de chez Cupra. Évolution, première chose qu'on peut voir, donc c'est ça, ce capot qui vient avec des lignes sur ce nez de requin. Ils ont appelé ça nez de requin parce que vu du côté, ça ressemble vraiment à un nez de requin, avec le logo qui change. Avant, il était positionné de façon verticale, là, il remonte directement ici et il est guidé par les lignes pour être vraiment mis en valeur en plein centre. Cette nouvelle couleur, c'est vrai qu'elle a un petit côté très, très sympa. Là-haut, les caméras, puisqu'on a bien sûr les aides à la conduite si l'on souhaite, et surtout ces nouvelles optiques ici sur l'avant avec des feux matriciels, 12 segments par bloc optique, et on retrouve cette nouvelle signature lumineuse avec les triangles. En plus, donc, quand on prête vraiment attention aux détails, on voit à l'intérieur que les triangles se rejoignent les uns les autres. C'est assez joli. Pareil, cette nouvelle partie avant, donc là, tout ça, c'est un nouveau design. Donc, il dit que c'est pour donner un côté un petit peu plus musclé. Alors, effectivement, ça fait un peu comme les baraques, comme ça, il nous montrait tout à l'heure le designer. Et c'est parti ici qui évolue. Pareil, donc avec toujours des rideaux d'air ici pour le côté aérodynamique, les petits feux anti-brouillard à cet endroit-là, les parties avec les capteurs de parking. Et est-ce qu'on a une caméra à l'avant sur celle-ci? Non, on ne l'a pas. Ah, on pourra peut-être l'avoir normalement avec un pack de caméras 360. Avec des parties grises ici spécifiques à ces versions un petit peu plus sportives. Donc on aura des parties grises sur la grille, également sur ces endroits, les entourages et également sur les bas de caisse qui sont spécifiques. Tout comme les coques de rétroviseur ici en carbone. Là on a un carbone de base tressé comme on connaît. On peut également avoir un carbone différent avec des fils de cuivre à l'intérieur qui donnent un style un petit peu plus différent et qui rend très très bien avec la nouvelle couleur. D'ailleurs, donc ce gris en slade est nouveau. On a également un Century bronze mat qui est disponible sur le Formentor aujourd'hui, que je vous ai montré dans une autre vidéo, mais je vous en mets un petit plan là parce qu'on n'avait pas le droit de vous en parler avant, mais aujourd'hui vous avez le droit parce que ça on les a filmés très longtemps avant, et également un Bleu Fjord comme je vous disais. Sous ce capot, regardez, je vous le fais en live, on a ici le moteur 1.5 litre TSI Evo 2 avec sur la droite la partie électrique, donc pour nous donner la puissance, donc au choix soit 204 chevaux, soit, si vous avez bien retenu, 272 chevaux. Ou sinon, donc le 1.5 litre en 150 chevaux, le 2 litres en 150 chevaux en TDI, ou la version 300 chevaux ou 333 chevaux pour les plus puissantes en 4 roues motrices, ou les versions hybrides 204-272. Et là, la version Sport Tourer. Comme vous pouvez le voir, il n'y a absolument aucune différence à part cette teinte de gris légèrement différente, comme vous pouvez le voir, entre là et là-bas. Mais il faut vraiment avoir l'œil. Sur le côté, ici, pas d'évolution à part cette partie basse ici qui nous ont dit qui changeait un petit peu avec cette couleur grise justement qui est repris des éléments à l'avant, comme je vous disais. Sinon, le côté est tout pareil. Une ligne un petit peu marquée ici, une ligne qui se fond là sur l'arrière et qui vient à partir du bloc optique avant. Chose de très simple, par contre, on a de nouvelles roues, des jantes qui peuvent être forgées, qui font gagner du poids, également des performances à l'accélération et au freinage. Ça, c'est la version standard, attention, version Sport Tourer. La différence, eh bien, elle est très peu notable, à part cette partie arrière ici qui évolue. Le porte-à-faux également qui est un petit peu différent. Ce long béquet ici qui est plus long. Pareil, c'est pour jouer un petit peu sur l'aérodynamique. On a les barres de toit qu'on n'avait pas de l'autre côté. Également un toit vitré panoramique. Mais sur le côté, on retrouve exactement la même chose. Sauf que cette fois-ci, on a un style de jante différent sur cette version. Sur l'arrière donc de cette nouvelle Cupra Leon, donc très très long béquet ici qui se finit avec un petit béquet en carbone très mignon, là-haut antenne type requin en noir qui contraste un petit peu avec cette couleur, le mat lui va très très bien à toutes les Cupra d'ailleurs. Vitre arrière surteintée plutôt inclinée avec l'essuie-glace bien pratique. Et surtout, là, c'est là qu'on voit donc cette nouveauté sur la partie arrière avec donc ce bandeau lumineux avec un bandeau LED ici très fin grâce à des parties plastiques qui reflètent un petit peu. Ensuite, sur les côtés, on a trois triangles, trois fois à chaque fois. Donc, ça fait 9 petits triangles qui sont un peu superposés, qui donnent quelque chose d'assez joli avec le Leon noté sur le côté gravé au laser. C'est plutôt joli. Et surtout, ce bandeau qui nous amène à ce sigle éclairé, ici le logo Cupra. Et lui, cette fois-ci, bien voyant pour qu'on puisse la reconnaître dans la nuit. Là, clairement, ça, c'est un petit truc que les gens font lorsqu'ils font du tuning. Et bien, Cupra s'est dit, on va le faire directement. Et surtout, ça permet de bien reconnaître. Et même lorsqu'on suit une Cupra, alors déjà, la signature lumineuse joue énormément sur une voiture. Mais là, encore plus, le fait d'afficher son logo, et bien, niveau marketing et autres,
bah, ça reste vraiment un plus. Le Cupra ici qui est noté, l'avantage c'est que lorsque ce logo s'illumine, ça illumine un petit peu le Cupra, un petit peu comme, vous savez, là dans les films, quand il y a une petite lumière du haut, en rouge, c'est très sympa. Ensuite, là, on peut voir que tout est peint en mat jusqu'à cette partie sur le bas qui reprend les couleurs grises qu'on a sur les bas de caisse et également sur la lame à l'avant. Caméra de recul en plein centre. New Leon pour nous rappeler ce que c'est. Et comme on a une version hybride rechargeable, on a des faux échappements ici avec un petit diffuseur qui est bien sympa, également en mat. Et juste une petite plastique en brut, plutôt joli. Ça également, c'est nouveau, donc ça vient élargir un petit peu cet arrière, ça vient muscler un petit peu tout ça. Également, le fait que ce soit bien coupé ici et plus saillant, ça permet d'avoir une meilleure aérodynamique et faire en sorte que les flux d'air soient mieux dirigés directement sur l'arrière. De quoi mettre son anneau de remorquage, les petits capteurs de parking. Et où est-ce qu'on ouvre? Ah ouais, ça je me suis pas posé la question. Les gars, où est-ce qu'on ouvre? Ah bah des boutons. Ah ah! Alors, je vais trouver. Est-ce que je vais trouver? Les gars, je ne trouve pas de bouton. Je vais aller demander de l'aide. Excuse me. Where do you open the trunk? Oh, ok. Heureusement qu'il était là. Le truc est tellement bien caché, personne ne va venir vous ouvrir votre coffre. Ah, donc celui-ci est manuel. J'adore le fait que ce soit bien caché. Au niveau du coffre, donc, dans cette version traditionnel 380 litres, ça représente le Nico qui rentre à peu près comme ça, alors c'est beaucoup moins profond, mais ça c'est 380 litres, c'est pour les versions les plus grandes, hein. Hop. Donc l'animal rentre ici, hop. Hop. Fixation top taser isofix, trappe à ski, banquette qui se rabat en 40-60 juste ici. Bon, par contre, cette fois-ci, dans la version break, il y a plus de place, jusqu'à 620 litres pour les versions qui ne seront pas hybrides rechargeables. L'avantage, c'est qu'on peut rabattre les banquettes directement d'ici, Nicolas, 1m80, passe-t-il jusqu'au bout? Hop, je viens mettre mes talons au siège, et oui, les 1m80 passent ici, on pourrait refermer le coffre, et ça, c'est quand même vraiment spacieux. Si on veut faire du camping de fortune, ce sera plus pratique ici. Est-ce qu'on a de la place là-dessous? Ah oui, là on a quand même un grand bac pour ranger les câbles, mais pas jusqu'au bout. Une prise 220 volts de ce côté-là, dans l'autre également, on les a, c'est plutôt pratique. Et qu'est-ce qu'il y a comme différence sur l'arrière de ce Space Tourer? Eh bien, franchement, à première vue, comme ça, pas tant que ça. À part qu'on se mette sur le côté ou trois quarts arrière, ben, on ne voit pas vraiment de différence, à part peut-être ce béquet qui est un petit peu plus long ici et différent de la version carbone là-bas. Alors, au niveau des places arrière. Donc là, je rentre dans la version berline, surtout qu'il y a les sièges en carbone ici. Je vais éclairer un petit peu plus. Nicolas, 1m80, comme je vous disais, je relève mon appui-tête. L'appui-tête est aussi confortable ici, donc ça, c'est plaisant. Et là, surtout, j'ai les sièges en carbone qui sont juste magnifiques. Oh, c'est beau, j'adore. Ça, par contre, c'est l'option qui fait vraiment la différence dans une voiture. Et la sellerie a été revue, des parties recyclées, matériaux recyclés, etc. Hein, comme de plus en plus, on les retrouve sur les nouvelles voitures. Toujours les LED là-haut qui illuminent ici, donc de chaque côté. Deux ports USB-C ici, une climatisation trizone. Et ces sièges carbone. Oh, c'est beau, j'aimerais trop en avoir un, hein, même en siège de bureau. Partie sur le côté, plastique dur sur le haut et sur le bas, une partie un petit peu imitation cuir, c'est une partie un petit peu également recyclée. Sur la version du Formentor, on aura du vrai cuir, je ne suis pas sûr qu'on ait du vrai cuir dans la version Leon. En tout cas, les sièges maintiennent très bien à l'arrière, j'ai de l'espace, c'est bien rembourré jusqu'à sur le côté de la porte ici. Ça c'est plaisant, on a l'impression d'être dans une voiture un petit peu plus haut de gamme, à part quelques petits plastiques durs comme ici. Ce qui est dommage, c'est quand on a des beaux sièges en carbone, on pourrait peut-être attendre un petit peu plus. Si par contre, ce que j'aime bien, c'est qu'on a des grandes vitres qui permettent d'avoir une belle visibilité sur l'extérieur. J'ai de la place sous les sièges, je suis plutôt bien. La couloir centrale ici qui est assez confortable, la trappe à ski, comme je vous disais. Donc il reste un avantage, la troisième ceinture directement ici intégrée à la banquette, le tunnel central ici qui est normal puisque on peut avoir des versions 4 roues motrices. Hop. Et l'assise, alors ici c'est beaucoup plus dur, c'est plus étroit, le dossier est un petit peu plus ferme également, c'est pas inconfortable comparé à certaines autres autos.
Et là, il me reste encore un petit peu de place pour la tête également. Au niveau des genoux, je suis bien. Au niveau des pieds, je touche un petit peu, exactement comme dans le Formentor. Le pouce de pied qui est un petit peu relevé, que lorsqu'on fait du 44, on fait du 43, j'en suis sûr que ça passe. Et on n'est pas trop mal. Alors, on sera beaucoup moins bien tenu ici, mais bon, place du milieu comme d'habitude. Et lorsqu'on passe dans la version break, eh bien c'est également la même chose, sauf que là, aujourd'hui, on a une sellerie un petit peu différente avec une sorte d'alcantara perforée avec des petits trucs bleus qui traversent, qui est plutôt joli. Ça, c'est nouveau également. On est plutôt bien, pareil, pas de différence, sauf que là, cette fois-ci, j'ai le grand toit vitré qui fait réellement la différence et qui amène plus de luminosité dans l'habitacle, mais sinon, tout le reste est pareil. Allez, comme d'habitude, je vous emmène refaire le tour comme ça. Donc là, on a la version ici, Sport Tourer, donc break, que j'aime bien. Pareil, donc avec ces nouvelles jantes. Ça a du style. J'aime beaucoup les breaks. J'aime de plus en plus les breaks. Avant, je n'étais pas très fan. J'aime de plus en plus cette nouvelle signature lumineuse. On peut voir là-bas, il y a d'autres collègues. Et la version un petit peu plus sportive avec les sièges carbone qu'on ne voit pas forcément comme ça, mais qui est très sympathique. Et cette arrière, qui est quand même super cool, avec ce logo, ça reste quand même le truc qui va se démocratiser de plus en plus, à mon avis. Alors, allez, je vous emmène découvrir l'intérieur. Hop. Alors, on a quand même des sièges électriques sur les sièges carbone. Alors ça, je trouve ça quand même très cool. Et regardez ce carbone-là. Là, comme c'est beau. J'adore. Alors, hop, les sièges carbone maintiennent super bien. D'ailleurs, je ne vous ai pas montré vraiment. Je ressors. Je vous montre tout quand même. Hop. Les sièges carbone ressemblent à ça. Donc, nouveau matériau également. Cette partie ici centrale qui est en gris, comme le gris que l'on retrouve sur les bas de caisse et également que l'on trouvait à l'arrière et sur la lame à l'avant. On a le logo Cupra directement, là, qui était... je sais plus, embossé, je crois que c'est ça le mot, directement là, avec des surpiqûres ici en couleur cuivre, plus d'autres en gris, avec un tissu avec des petites parties Alcantara, légèrement sur le côté, là également un petit peu plus bas, et cette partie tissu qui amène énormément de maintien, et regardez sur le côté comment ça remonte, enfin, clairement, ça c'est quand même assez grand, et voilà. Vous faire une idée de à quel point vous allez être maintenu juste ici et ne pas bouger dans les sièges. Mémorisation sur trois positions, siège électrique comme je vous disais, les seuils de porte ici Cupra qui sont illuminés, le petit tapis Cupra, les pédales ici spécifiques. Alors je crois que ça doit être des nouvelles pédales, je n'avais pas vu ces pédales auparavant. Partie plastique avec la Sono, ici Sennheiser, 425 watts dans l'habitacle. Également, donc c'est parti ici, qui ressemble à une sorte de cuir synthétique, là également, avec des surpiqûres, les LED qui font le tour en dessous, et également le bandeau lumineux qui vient traverser l'habitacle, ça comme on connaît, donc là que vous pouvez voir qui fait le tour, les commandes de fenêtres et de rétroviseurs à cet endroit-là. Et lorsque je vais venir m'enfermer ici à l'intérieur, alors... La petite spécificité de cette version ici, la plus sportive, c'est que, regardez, les petits satellites ici sont de couleur grise parce que j'ai les sièges carbone, tout comme les entourages ici, contrairement à la version là-bas qui n'a pas les sièges carbone. Je vais vous la démarrer comme ça, pour vous mettre le contact. Voilà, donc ça c'est la spécificité lorsqu'on a les sièges carbone. On a les compteurs, comme d'habitude, on peut changer de vue, bien entendu. Hop, alors, vue, avec celui-ci, 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 et celui-ci. Et à chaque fois, je peux changer également ce qu'il y a sur les côtés, à gauche et à droite et au centre, pour mettre les informations que je souhaite. Donc ça, c'est quand même très personnalisable, c'est une bonne chose, avec ce compteur un peu plus sportif. Nouveauté également, c'est que deux séries, vous allez avoir ces satellites, démarrer ici, et le Cupra Mode ici, avec les Drive Profile Performance, Cupra, individuel, confort. Donc là, à chaque fois, vous pouvez le régler directement ici. Donc ça, c'est bien d'avoir ces drive modes juste ici. Le volant, donc petit méplat en bas. Le volant également,
couleur grise comme les petits satellites et également sur le haut au lieu des couleurs bronze. Par contre, au niveau du cuir, on retrouve toujours le cuir perforé et les surpiqûres couleur bronze ici, des palettes derrière le volant et d'ailleurs toutes les Cupra maintenant seront désormais 100% en boîte automatique DSG7. Voilà les commandes ici, donc ça c'est pour les aides à conduite, le volume ici de la radio, et de ce côté là ça va être de quoi changer les musiques, naviguer dans les menus que vous voyez là-bas, le volant chauffant qui est en raccourci ici, ça c'est une de mes options préférées, et comme d'habitude les essuie-glaces et les feux de ce côté là, toujours ça qu'on connaît dans le groupe pour les options, ici le bandeau LED qui traverse, qui fait tout le tour là, qu'on peut voir en bleu avec des nuances, également aérateur là-bas, deux au centre, et cet écran qui est un nouvel écran qui fait maintenant lui 12,9 pouces, donc il évolue de 0,9 pouces avec surtout de nouveaux menus, une nouvelle mise à jour, également des icônes qui sont un petit peu différentes de ce qui se faisait avant, et toujours les réglages du véhicule et autres comme on connaît avec ça. J'aurais peut-être bien aimé qu'on ait la couleur de la voiture. Ah, ils ont pas mis avec les sièges carbone là, regardez. Bon, ça c'est des petits détails, mais je sais que c'est très chiant à faire niveau ingénierie. Voilà pour de ce côté-là. Ensuite, on retrouve, comme toutes les autres, deux ports USB-C, le chargeur par induction, désactiver l'USB en raccourci ici si on veut s'amuser un peu, de quoi positionner la clé. La clé ressemble à ça, clé Cupra ici. Et regardez, j'ai découvert ça. Lorsqu'on met sa clé ici, elle est faite pour ne pas bouger et se caler. Ça, c'est top quand même. Je sais pas si ça le fait là. Non, en fait, il faut la mettre vraiment en haut. J'aurais bien aimé qu'elle s'aligne pile poil là, ici, en bas. Ça aurait été parfait, vous savez, sur... la boîte de vitesse ici, donc parking, drive, je tire vers moi, reculer, j'avance. Ici, le mode auto-hold, le frein de parking, le verrouillage du véhicule, personne m'embête. Le porte-gobelet, porte-canette, petite canette, grosse canette. La couleur centrale qui s'avance, qui se règle en hauteur. Un petit peu ferme, mais ça va, des petites surpiqûres également ici. Et un rangement supplémentaire avec une prise 12 volts. Et ces sièges, hein, plus je les regarde, plus je tombe amoureux. C'est très beau, c'est très beau. Et encore plus de l'arrière. Quand je vois l'arrière carbone, j'ai envie de repartir avec un dans l'avion aujourd'hui, ce soir. De ce côté-là, cette partie avec les petits triangles, partie moussée sur toute la partie haute en cuir gris, enfin pas en cuir, en imitation cuir gris comme ça, mais en fait c'est juste un plastique moussé. Sur le haut, on retrouve le rétroviseur central, les LED, comme d'habitude, en sensitive, la touche SOS, l'éclairage ici, et la touche information et maintenance au cas où vous ayez besoin. Sur le haut, un petit miroir avec la LED bien blanche et des poignées pour tout le monde. Vous voulez que je vous emmène faire un tour dans Space Tourer? Allez, je vous fais ça très rapidement. Regardez, je coupe même pas. Chut, 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 chut. Ça c'est le truc, c'est horrible. Ouais, regardez, on est mercredi, ça. Et à vous, vous le voyez seulement aujourd'hui parce qu'on n'avait pas le droit de vous divulguer ça juste avant. C'était top secret depuis ce jour-là. Parce que regardez, on est caché ici dans des studios en Espagne. Et pour la version Sport Tourer, donc à l'arrière, les sièges, comme je vous ai montré rapidement, donc il y a quelque chose de différent. Et ces sièges qui sont également différents et qui sont quand même beaucoup, beaucoup moins sexy que les carbones, que je vais vous remontrer parce que, attendez, il faut que je vous remonte ça. C'était quand même très joli. Oh là 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 là, la différence. Et regarde-moi ce carbone. C'est beau, on dirait vraiment des sièges ultra sportifs. Ça fait clairement la différence pour moi dans une auto. Le long béquet ici. Waouh! Et cet intérieur ici qui est différent, comme je vous le disais. Donc avec ces sièges qui sont moins sportifs, mais qui englobent quand même plutôt pas mal, qui sont enveloppants, avec le Cupra Sustainables matériel. Ça veut dire qu'en gros, c'est des matériaux recyclés. Ils sont quand même assez jolis avec le Cupra là-haut. Et également dans cette partie ici qui ressemble à de l'Alcantara, qui est assez jolie. Et lui, par contre, il a le toit panoramique. Et là, vous voyez la différence sur le volant avec les satellites ici en cuivré, tout comme les aérateurs de ce côté-là, également au centre. Et c'est ce qui fait la petite différence, voilà, entre les deux voitures et là, les petites parties bleues à l'intérieur grâce aux petites perforations. Et là, on a les mêmes pédales que là-bas. Petit débrief, qu'est-ce que vous en pensez ? Prenez laquelle? Bon, au final, niveau style, quelques petites évolutions sur l'avant, sur l'arrière et légèrement à l'intérieur. Après, on peut principalement noter ces nouveaux moteurs et surtout cette nouvelle hybridation qui apportera quand même pas mal de bénéfices pour les gens qui aiment l'hybride rechargeable. Après, j'avoue, cette nouvelle couleur-là, j'ai hâte de la voir dans la rue. On ne peut pas les sortir malheureusement au soleil, mais je pense que ça plaira à pas mal de monde.
parce qu'ils ont fait quand même des couleurs très très sympas. Bon, n'hésitez pas à me dire, vous d'ailleurs, laquelle vous préférez, la version Sportower, Break, ou cette version plus traditionnelle, compacte. Moi perso, je suis plus comme ça, même si j'aime beaucoup la version Break, qui serait peut-être pratique pour mettre les vélos. Ah, quoique, mais j'aime bien celle-là quand même, avec un petit porte-vélo derrière. Ouais, mais surtout les sièges carbone. Bon, si vous avez bien aimé cette vidéo, le petit pouce bleu comme ça, n'hésitez pas à vous abonner. Et puis je vous dis à une prochaine pour une autre vidéo. Et puis si vous n'avez pas vu, j'ai sorti en même temps que celle-ci la Cupra Formentor avec la nouvelle couleur gold. Allez, à bientôt, ciao.